sujets philosophiques tels que l'amour, la mort, les différences à l'école. Oui, c'est des sujets qui peuvent être abordés dans différentes situations. On organise dans certaines classes des débats philosophiques. Les programmes d'éducation morale et civique abordent certains de ces sujets. En sciences, on aborde la reproduction en fin de cycle primaire. Donc ce sont effectivement des sujets qu'on peut être amené à aborder. C'est donc une micro-société, l'école, enfin, qui est quand même assez vaste. Mais Freud disait, il ne faut pas que l'école oublie qu'elle n'est qu'un jeu de vie. Ce n'est pas encore la vie des adultes, la vie où on est entièrement responsable de beaucoup de choses. On commence à exercer son jugement et sa responsabilité dans cet univers un peu protégé normalement. C'est la récréation. Jouer à quoi dans la cour de récré? Au foot. Des fois, en ce moment, c'est les toupies. Je m'amuse plus avec les filles parce que les garçons à l'école, ils jouent à leurs jeux et du coup, moi, c'est pas... leurs jeux à eux, c'est pas mon truc. Alors que les jeux des filles, à quoi on joue, eh ben, c'est mieux. Non. Non, je joue pas avec les garçons. Parce que ça m'intéresse pas ce qu'ils font. Mais ils jouent à quoi en général? J'ai des jeux de guerre, ils se tirent dessus, ou des trucs comme ça. Ça m'intéresse pas, moi. J'aime pas quand elle crie. Quand? Ouais, voilà. Elle crie. Quand elle crie, ouais, c'est... Elle crie, les filles? Ouais. Elles jouent pas les mêmes jeux que nous. Elles jouent à quoi, les filles? Barbie. Ouais, voilà, des trucs comme ça. Elle joue au restaurant, à la maman et papa, alors... Ouais, donc c'est pénible. À la maîtresse. À l'âge de l'école primaire, les enfants sont plutôt occupés à asseoir leur conviction sur leur bord et très, très influencés par les modèles sociaux qui fournissent une autre sorte de bord, qui bordent comme ça les identifications. Au niveau vestimentaire, intérêt, donc il y a effectivement une pression de ce côté. D'après vous, quelle est la différence entre un garçon et une fille? Ils n'ont pas les mêmes parties génitales. On se maquille pas. Elle se maquille. Je sais, elle passe toute la journée dans son miroir. Ah oui, pas les garçons. Mais elles sont jamais contentes. Ouais, voilà. À chaque fois qu'on veut jouer avec les filles, ben, elles se fâchent et tout, voilà. Ouais, donc c'est un peu pénible. Les tout petits enfants très vite repèrent qu'il y a des hommes, des femmes, des garçons, des filles, qu'il y a une espèce de répartition et qu'on se range d'un côté ou de l'autre. Avant, on croyait que c'était évident. À notre époque, on se rend compte que ça l'est moins. Mais ça n'était pas évident non plus. On le croyait avant, mais ça n'était pas évident non plus. Et une fois que qu'on s'identifie à son sexe, les relations avec l'autre bord deviennent plus compliquées. À votre avis, avez-vous déjà vu des personnes qui sont mises à l'écart dans la cour de récré? Oui. Y en a plusieurs dans la récré. Ouais. Ils sont dans un coin assis pendant la récré, tout seuls. Et là, par exemple, ils ont des lunettes, ils vont l'insulter par rapport à son physique. Ou quelqu'un qui est gros, qui a une tête ronde, ovale, une chose, ou il est maigre, tout ça. Une fille qui a des poux et des verrues, elle est tout le temps seule. Ah mince! Pourquoi elle est toute en seule, tu penses? Peut-être parce qu'elle a des poux et des verrues. Elle a des poux et des verrues? Mais moi, je vais souvent vers elle, mais pas trop proche non plus.
quand l'enfant se construit, il y a ce qui s'appelle le stade du miroir, où il y a quelque chose de collé à l'image qu'il voit. Bon, je ne peux pas vous expliquer tout ça, mais il y a comme ça une tendance à aborder l'autre comme étant un autre lui-même. Et percevoir la différence lui met un certain malaise dans le... dans la perception qu'il a de lui-même. Heureusement, ils peuvent aussi avoir cette curiosité, cette envie de découverte qui leur permettra d'aller quand même vers l'autre différent. Comment, Lucas? Bah en fait on était à une fête et là on s'est vu, mais à chaque fois qu'on se voit, du coup on est timide, on n'ose pas se parler parce qu'on est, vu qu'on est amoureux, on n'ose pas se parler. En fait, quand on n'est pas trop timide, en fait on reste timide un peu et après on vient se voir et on discute. D'accord. Et qu'est-ce que tu ressens alors si t'es amoureuse? Ben, je ressens de la joie parce que enfin j'ai un amoureux et ça me fait plaisir. L'amour, en fait, qu'est-ce que c'est? On y croit. C'est pas quelque chose dont on peut avoir des preuves. Et c'est pour cette raison d'ailleurs que quand on se met à douter, on réclame des preuves et tout ce qu'on obtient sont des signes. On n'a pas de certitude sur l'amour ni sur sa durée. On y croit parce qu'on l'éprouve, parce qu'on a. On a l'impression, on a que des signes, mais pas de conviction. Les enfants ont peut-être moins de doutes. Et est-ce que tu penses que c'est possible qu'un garçon aime un garçon et qu'une fille aime une fille? Bah oui. Oui? Et t'en penses quoi? Ben, pour les gens qui n'aiment pas trop, ça leur fait bizarre, mais... Mais les gens, enfin, moi je pense que c'est bien parce que tout le monde vit sa vie, alors ils ont le droit. Quand je vois deux garçons s'embrasser côté de moi, ah oui, ça c'est vrai, ça, c'est gênant un peu. Ouais, c'est gênant. Et pourquoi c'est gênant? Parce que. Ben, parce que c'est pas normal. Enfin. Ça. C'est bon. C'est bizarre. Et vous pensez qu'on devrait punir ces gens-là ou. Non. Parce que vous dites que c'est pas normal. Après, c'est leur vie, ils font ce qu'ils veulent. Moi, les garçons, je trouve ça un petit peu bizarre. Les filles, moi, ça me choque pas trop. Non, moi, c'est l'inverse. Ça vous choque... Alors, qu'est-ce qui vous choque? Ben, déjà, les voir embrasser, ça fait bizarre. Oui. Et s'ils veulent avoir des enfants, ils peuvent pas. C'est ça que je comprends pas. Après, ils peuvent en adopter un, mais... Je vois pas l'intérêt. Non, mais je sais pas, il y en a, ils se marient même, ils devraient pas accepter, enfin, c'est bizarre. Et pourquoi on devrait pas accepter? C'est quoi le problème? Bah, c'est pas normal. Tu penses que c'est pas normal, que c'est fou, que... Ouais, c'est des fous. En plus, c'est la honte. Qu'est-ce qui est la honte? Eh ben, je sais pas, de se marier, c'est bizarre. Je trouve que moi, c'est la honte. Thank you.
Pas trop, avec la pollution, je pense pas trop. Parce qu'il y a des endroits où il y a des gens et j'ai plein de déchets partout. Ouais. Et du coup, eh bien, ça pollue. Et du coup, eh bien, la nature, eh bien, elle peut plus, enfin, elle est polluée. Il y en a combien de continents? Il y en a 6. Oui. Il y a un 7e qui est en train de se former de déchets. Il fait plus de 3 km de profondeur. Et je sais pas combien de kilomètres de largeur. Et d'eau. Dans la mer. Presque tous les animaux meurent. Enfin, surtout les. C'est tout ce qui mange les insectes. Parce qu'on met tellement de produits sur tout. Oui. Ça fait tout mourir. Ça fait. Ouais. Le désherbant, le... Enfin, tous les produits comme ça. D'accord. Je disais aussi que qu'il y avait un âge où l'enfant se rend compte qu'on ne lit pas dans ses pensées et qu'il pense de façon autonome. Et que là, il va commencer à dire « Eh ben moi, ou bien je lis comme maman, ou bien je lis comme papa. » Ce qui est déjà une façon de se détacher, de se faire sa propre opinion. Et qu'après, il y a l'appui sur les maîtres, sur d'autres. De la République? Emmanuel Macron. Et à quoi il sert, le président de la République? Ben, parfois, il est méchant parce qu'il nous fait plus d'électricité. Il nous fait plus d'électricité? Oui, de temps en temps, quand il n'y a plus d'électricité, c'est à cause de lui, je pense. Tu penses que c'est à cause du président de la République qu'il n'y a plus d'électricité? Oui, ma maman, elle dit que c'est à cause de lui. D'accord. Et il fait quoi d'autre, le président de la République? Il nous donne de l'électricité... Il nous fabrique des choses pour nous parce que c'est lui qui les fabrique et après il les met au magasin. Enfin, il y a des monsieur qui le crée. Mais c'est le Emmanuel Macron qui... En fait, par exemple, s'il dit « Je voudrais qu'on fabrique ces chaussures-là », ben, c'est... il va le dire à une personne et après la personne va la construire, va le mettre au magasin. Et c'est important ou pas, d'après toi, un président? Ou on pourrait très bien s'en passer? Ben non, pas vraiment, parce que s'il est mauvais, il peut créer une guerre. Je pense que c'est plutôt important, parce que si tout le monde n'était pas d'accord contre tout le monde, s'il y a des gens qui sont pas d'accord sur un sujet, ben ça pourrait être la pagaille vite. C'est mieux qu'il y ait quelqu'un pour décider tout ça. Après, ils sont tous à... Alors, ils pensent à leur argent. Non, pas argent, mais ils disent des trucs qu'ils feront jamais. C'est juste pour qu'ils aient le pouvoir. Ils veulent nous détruire, tu disais. C'est-à-dire? Ben, ils veulent prendre notre argent. Ils veulent qu'on paye plus cher les impôts, par exemple. Est-ce qu'il y aurait d'autres solutions pour gouverner le pays, d'après vous? Moi, ce que j'ai pas compris, c'est... Pourquoi ils ont enlevé les rois et ils ont mis un président? C'est la même chose. C'est la même chose, tu penses? Ah oui. Non. Alors, Yuan, toi, tu penses que... Ben, les rois, déjà, il paraît qu'ils coupaient les têtes quand... Oui, enfin, ça serait amélioré. Peut-être, oui. Tandis que les présidents, ils vont presque rien. Mais pourquoi c'est beau, ça? Mais pourquoi? Les pieds posés sur la table, j'observe la ronde. Les enfants sur le sable se demandent-ils où va ce monde. Ils jouent à cap ou pas capable pendant que pètent des bombes. Mille questions dans leur cartable, et si quelqu'un les entend, qu'ils répondent. Et pour qui, pourquoi on fait ça? Des enfants et des lois. Et pour qui, pourquoi on fait ça? Petit, je suis aussi petit que toi. Quand tu veux savoir pourquoi c'est beau ça et ça, ça ne l'est pas voir. La beauté bonhomme ne s'explique pas. Pourquoi tu vois toi ce que moi je ne vois pas? On dit que l'homme ne voit que ce qu'il n'a pas. Et quand on te parle d'attentat, ça te dit quelque chose ou pas?
ça me fait peur. Ça me fait peur, même si je sais qu'on ne vit pas dans une grande ville. Les attentats, ça se passe dans des grandes villes, là où il y a beaucoup de monde. Moi, ça me fait peur, un peu. Et pourquoi ? Parce que j'ai peur à tout moment de voir quelqu'un, je sais pas, qui tire sur tout le monde. Il y en a, ils arrivent, ils sont tranquilles en train de regarder le cinéma et enfin un film. Et là, d'un coup, il y a des tirs, enfin il y a des coups de feu. Et on leur tire dessus et ils savent pas pourquoi. Donc c'est bizarre. Peut-être des gens qui sont pas d'accord avec les autres gens. Personnes qui n'ont pas les mêmes. Comment dire ? Les mêmes idées ? Voilà, les mêmes idées. Je pense que c'est parce que. Ils sont pas d'accord avec nous parce que. C'est par rapport à la religion, moi, je pense. Je crois que. Les Français ou je sais pas quoi, ils leur avaient dit, ou un pays leur avait dit, si vous tuez, fait exprès, je sais pas quoi, vous irez au paradis. J'ai entendu ça quelque part. Je crois parce que c'est à cause de les musulmans, je sais pas quoi, ils veulent que tout le monde croit voir leur dieu. Je crois que c'est quand ils appellent le machin. C'est Allah, normalement. Il faut un cri là quand ils attaquent. Oui, à la Wakba. T'étais pas obligé de le dire. C'est quoi la religion ? Ça vous évoque quoi la religion ? De croire à quelque chose. Par exemple, de prier et de demander je veux avoir un chien, et ils croient qu'ils vont avoir un chien comme ça. Donc... Mais non. Mais bon, ça se passe comme ça. Non. Et si t'avais quelque chose à changer ? C'est qu'il n'y ait plus de guerre et plus de bruit. Et que ça soit au calme, qu'on puisse se reposer. Mon plus grand rêve, c'est d'être libre. Est plongé dans un monde où il essaie d'en comprendre quelque chose, il s'appuie pour ça sur les discours autour de lui, donc les discours ne font pas que l'influencer, hein. Il l'aide quand même à comprendre quelque chose de ce qui se passe autour, à en avoir une version. Et les attentats font irruption dans... comme quelque chose d'incompréhensible, mais ça, c'est exactement le même phénomène pour les adultes. Tout d'un coup, il y a quelque chose d'indescriptible, qui entre pas dans les catégories, qui est absolument effrayant, sidérant. C'est ce qu'on appelle en psychanalyse la rencontre d'un réel. De quelque chose qui n'est pas dans les chaînes symboliques et qui n'est pas dans les représentations. La mort, c'est des personnes qui sont plus là, en fait, qu'on les tue ou qui meurent à cause d'une maladie, d'un cancer, ou parce que, je sais pas moi, ou parce qu'ils vieillissent. J'ai pas envie de mourir jeune, et j'ai pas envie de mourir du tout. Et du coup, j'ai peur que ça arrive en fait. Un jour. Et tu penses qu'il se passe quoi quand on est mort ? Je sais pas vraiment. Soit on va au paradis ou en enfer, ou soit on voit que du noir. Enfin, c'est tout vide et on sent rien. Je pense qu'ils vont avec les anges. Ouais. Et on va faire quoi avec les anges ? Avec les anges, ils vont faire la fête. Moi, parce que je pense que dans le ciel, ils s'amusent bien, comme ça me rend pas triste.
Et mon chien, quand il a été mort, je me suis dit, il faut faire comme s'il était encore là. Comme ça, ça me rend heureuse. Je crois que moi, je sais ce qu'on voit. Enfin, je sais, je crois que moi, quand on meurt, on recommence notre vie, mais dans un corps, dans un autre corps. Soit dans un corps d'animaux, et ou soit dans un corps d'humain. Peut-être, je sais pas. Et ça vous fait peur ou pas la mort? Oui, un peu. Pourquoi? Parce que moi, des fois, ça me tarde d'avoir la mort et pas trop. Parce que j'aimerais bien avoir ce qu'il y a après, mais après, on s'en souviendra plus. Ça se trouve, j'ai déjà vécu dans le passé, mais j'ai pas de souvenirs. Moi, en fait, j'ai peur parce que, en fait, j'ai envie d'y aller, mais après, on sait pas ce qu'il y a. Ça se trouve, après, il n'y a plus rien. Après, c'est rien. Ni la mort, ni le soleil ne peuvent se regarder en face. Personne, enfant ou adulte, ne sait ce qu'est la mort. Donc, à cette place, on met des croyances diverses. Par contre, le fait que nous soyons mortels, c'est quelque chose dont l'enfant prend conscience vers 7 ans, vers ce qu'on appelait l'âge de raison. Ou un petit peu plus tôt ou plus tard. Et face à cette incroyable, ils vont développer des stratégies diverses, soit l'oublier, le repousser, et puis on verra ça quand ça reviendra, ou soit essayer à tout prix de trouver une issue. Parler du point de vue général des enfants sur le monde qui les entoure ou sur les questions philosophiques aussi profondes que la mort ou des choses comme ça. Je pense que chaque enfant est unique, que chaque enfant se construit comme nous tous, avec ses expériences, avec ses échanges, avec ses camarades, avec ses parents, avec sa famille, avec ses enseignants, et que chaque enfant est unique, chaque enfant se construit petit à petit. Les enfants ont profondément le désir d'évoluer, de grandir. Et c'est là-dessus, c'est ce qu'il faut nourrir, c'est ce qu'il faut soutenir, appuyer. Et justement, les parents, je suis assez frappée quand ils disent que ce qu'ils ambitionnent pour leur enfant, c'est qu'ils soient heureux. Et souvent, je leur dis, mais vous ne voulez pas que ce soit des gens bien. Vous n'avez pas une ambition de ce côté-là. Et ce qui les porte, c'est le désir, ce sont les rêves. Il faut que les enfants rêvent. C'est difficile parce que les parents hésitent entre reste petit, tu es à l'abri là, et oh comme j'aimerais moi être encore à l'abri comme toi et insouciant, allons donc, comme si c'était une période insouciante à l'enfance, pas tant que ça. De tout temps à jamais, les enfants ont été capables de réfléchir et de donner leur avis et de discuter pour peu qu'on leur donne la parole et qu'on leur apprenne à le faire.